Mami Kabongo. La 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 la. Non? Bonjour à tous, c'est Max Benner, on se retrouve pour Pierre Solaire, The Great Architect, HD. Et, oui, comme d'habitude en ce moment, je fais la pub pour Resident Evil 7. Le forum de moi, Léon et un peu Steve. Enfin, Alex. Et donc, voilà, allez-y si l'univers de Resident Evil vous plaît bien, les RP, et si, ou si les RP vous plaît, ou si les deux vous plaît. Enfin, si les deux vous plaît, n'hésitez pas. Allez-y, les amis. Bon. Alors, précédemment, nous nous étions arrêtés. On va laisser notre ami. On part vers l'US. Et rencontrer Couleur, je sais plus qui c'est. Je crois que c'est un mec qui va nous aider à faire chier les anciens. Oh, merde. Allons à Méo. Ouais, où qu'on est là. Dezio, qu'est-ce qu'on va affronter dans ce coin de merde? On peut grimper sur les trucs, enfin quoi que. Peut-être pas. Un toboggan. On grimpe pas sur le toboggan. C'est quoi ces trucs? Ah, on se fait agresser par des tortues maintenant! Bon, au moins ça change niveau bestiaire. C'est l'avantage. Bon, attends. Donc là, c'est quoi ce truc là qui vole? Toc toc! Ok! C'est quoi ça? Tortue! Baby turtle, ok, c'est une bébé tortue. Je veux même pas voir les adultes, hein. On va. Non, on va pas attaquer Tortue. Toc toc, vu qu'il est. Ah, mais c'est qui le con qui a inventé les noms des monstres? C'est le même que dans Dragon Quest, c'est pas possible. On a l'impression qu'elle va dégueuler, c'est incroyable. Même pas, tu sais. Ok. Toc toc doudille. Bon, vous attaquez les mêmes. Oh, je sens qu'on va se marrer. Vu que les monstres, ils ont l'air quand même assez résistants. Ouais, on va se marrer. On va vraiment se marrer. Casse la voix. Bon, heureusement. On a augmenté en point de vie, donc ça va, il faut un peu moins. Voilà, là tu as poutré la tortue. Et au moins, elles font pas de contre-attaque de merde, les tortues, là. C'est sympa. Ça me plaît bien. Maman, je suis sur le... Putain, mais même la carapace explose. Bon, lui, il disparaît. L'autre, on a toujours l'impression qu'il rate l'attaque, hein, quand tu écoutes le bruitage. Le père. Ah bah, lui, il fait... Pour moi, c'est je rate l'attaque. Non, pas vous. J'ai gagné un niveau 7. Bah c'est bien, on augmente encore plus. Bah, moi, il y avait... Elle est par là. Oh, mais c'est un coffre. Il y a un lago d'or. Ok. Par contre, il y avait un coffre. À droite, donc je vais y aller. Quand même, hein. On se fout pas de ma gueule. Ouais, une bébé tortue. Oeuf, c'est ça, eggs. Turtle eggs. Bon, on va péter la gueule à une bébé tortue. Tortue ninja, tortue ninja. Ça va, on devient quand même assez résistant, c'est ça qui est bien. Allez, tire la langue! C'est ça que ça me fait penser. Je suis pour vous, hein. Y'a l'autre qui se barre, il va aller écouter du Patrick Sébastien. Non mais. Oh! Je le dis, c'est en gêne, hein. Non mais le mec. Salut! Vous m'avez pas vu! Il est toc-toc, c'est logique. On dit, c'est pire que Gilbert Montagnier sur le forum là. 7. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle, bah inscrivez-vous sur. Allez, mais au moins juste pour la déconne ou pour continuer les jeux, hein. J'imagine la range de personnes qui viennent juste pour jouer au jeu.
Voilà. Ah, mais même si vous aimez juste Resident Evil, vous vous en foutez des RP, il y a les jeux et tout. Voilà. Et puis ta grand-mère sur mon slip, voilà. Ok. C'était déjà pas par là. Il y a des crabes. Il y a des crabes. Qui descendent des toboggans. Oui. Une salade, ok. Allez, tortue, adore la salade. Donc je vais pouvoir distraire les tortues comme ça. Ouais. Alors... Alors mon papa... Non, pas lui. Personne d'autre a de la magie, ben on va se barrer. Parce que dernière nouvelle, j'ai pas le pouvoir de grimper les toboggans là. Bah, j'ai l'impression qu'on peut rien faire ici. Allons-nous-en. Mais en fait, on n'est pas obligé. Bon, bah, il me faudrait de l'aide parce que là, je vois pas du tout ce qu'il faut. Oh non, me dis pas, je suis encore bloqué. Non, mais il faut faire quoi? Au pire, on affronte des monstres jusqu'à pas d'heure. Ouais. Non mais c'est génial, hein. Oh putain, j'en ai marre de bloquer. On va par là. Ça devient une habitude d'être bloqué sur ce jeu ou quoi là. C'est pas possible. C'est peut-être par là. Attends, faut que je fasse quoi? Dans l'autre zone, il n'y avait rien. Hein. J'ai parlé à tous les personnages, il n'y avait rien. Vous êtes d'accord? J'arrive vers les terres de l'ouest. Et rencontrer Crawler. Bah alors, à moins qu'ils soient dans l'autre village. Je vais retourner leur parler. J'ai pas d'autre choix, vous voyez. Hein. Vu que je sais pas quoi faire, là. Alors, à part rebrousser chemin comme un con. Allons à le Sherlim. On a peut-être raté. Non. Ben. Non, mais casse-toi, salope. Prendre le bateau, comment on le prend? Putain, casse-toi. Ok, Poufias, elle est partie. Non. Mais je dis, il n'y a rien à faire ici. Non, ben. Ce qui veut pas voir plus fort, ouais. Bon. C'est marrant, je sais absolument pas quoi faire. Ça devient une habitude sur ce jeu. Incroyable. Putain de RPG. Non mais c'est pourtant pas compliqué. Oui. Si je prends le bateau, tu verras mon cul. Mon cul. Mon... Putain, il peut pas y avoir une putain d'indication ce jeu. C'est pourtant pas compliqué. Bon, ben, je vais aller chercher une soluce. Merde. Bah, je crois avoir trouvé la solution à l'énigme. Bon, le père, tu arrêtes de t'éclater avec les trucs. Alors, il faut monter sur la racine des arbres, je crois. Oui. Mais où? Ça, c'est une bonne question aussi. Mais où faut monter sur la racine des arbres? Ouais, bon. Alors, toi, tu vas tuer lui. Toi, tu vas te faire elle. Ouais, toi, tu vas te faire un nichon 3, là. Et toi, tu vas te faire ça. C'est l'heure de la mort de la tortue. Je trouve que le son est un peu fort.
verrai ça hein, quand je retournerai sur le menu, mais ouais, je crois que c'est un peu fort aujourd'hui. Ah, enfin bon, on verra bien. Hein, si vous soyez si fort que ça. Ah, on est toujours pas mort. Vous savez pas mourir. Ah bah si, toi tu sais mourir. Attends, je vais juste le capter. Qu'est-ce que fout une tortue dans une forêt, merde? Enfin, ce genre de tortue en tout cas. Parce que ça a l'air d'être une tortue de mer, à la gueule. Et ce machin toc toc, c'est quoi en fait ce bidule? En comme d'hab, hein, varier les ennemis, parce que pour le moment j'ai croisé que ça. Avec un peu de chance, il y a un autre type d'ennemi. C'est par là, enculé. Oh les enculés. Ouais, on affronte les mêmes types d'ennemis. C'est la fête. Ouais, qu'est-ce qu'il y a dans ta quéquette? C'est la fête. Salut Minoute. Et je me repose. Oh, la technique de je me repose, c'est la meilleure technique qu'on ait jamais inventée, hein. Même en Belgique, ils trouvent ça fascinant, cette technique. Je raconte que de la merde. C'est pas croyable. Toute la merde que je peux raconter. Je n'ai jamais vu une merde pareille. Une merde pareille. Prochainement. Alors. La rentrée se passe bien pour moi. Et vous, comment ça se passe? Tabernacle? Mais c'est ce que je me disais aussi. Rien n'est plus fort qu'un tabernacle super puissant. C'est mon maître Shaolin qui me disait ça. Là, il s'appelait Shao et il faisait du lit. Ouais, moins 112. Quelle est la réponse au sens de la vie? C'est 42. Eh oui, c'est élémentaire, mon cher Watson. Ben, j'obtiens une passion. Je postillonne. Et je vous emmerde. Ouais. Ouais, un ascenseur magique. Ça me manquait. Ascenseur magique. Bon, enfin là c'est un peu moins magique vu que c'est tiré par une branche, mais bon, ascenseur magique quand même. Ouais, tournicotine, tournicotin dans le potiron. C'est par où là? Ah, je vois que c'est par là. Alors, ok, c'était le truc annexe. Ok. Regrimpons les lianes. On a que ça à faire, hein. De toute façon. Je passe par là. J'obtiens une pomme. Ok, maintenant je fais quoi? Yo, mais c'est génial, je sais pas. Génial. Bon, moi, je me fais pas agresser 50 fois par un ennemi. Ça a son avantage, ça. On va reprendre les ascenseurs, j'ai dû rater le truc. Ah, pire, on retourne voir la soluce. Pas comme si c'était la troisième fois que je faisais ça, merde. Oui, je préfère fouiller les coins cachés, hein? Hein, je me suis déjà fait avoir. Je me ferai plus avoir. Oh, une embuscade, maudite tortue. Et ta maman, c'est moi. Je trouve que les points de vie ne descendent pas trop, hein. Cette fois-ci, je sais pas vous.
pour une toupie. Bobo, qu'est-ce que tu fous sur mon pyjama, Bobo? Arrête, Bobo. Tu te fais du mal, Bobo. Hé, hey, Bobo! Tu retires une petite barre de mon pyjama, mon Bobo. Viens, mon Bobo! Y'a pas de nourriture, mais non, Bobo. Mon vieux, tu vas bientôt clamser. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Non, qu'est-ce que tu disais? Non, s'il te plaît, répète. C'était Bobo. Je sais pas si vous l'entendez. C'est Ronron. Ah, Ronron Bobo. Qu'est-ce que pourquoi tu t'avances, toi? Tu baves sur mon micro, je te bute, hein, Bobo. Enfin, c'est tout un nazi, hein, parce que vu ton âge... Voilà, elle est en train de danser, la tortue, ça se voit pas, mais elle est en train de danser. Je meurs. Est-ce qu'on réussit trop ça, hein, Bobo? Putain, il fait une danse tchétchène, l'autre, là. C'est pas possible, hein. C'est Vecidor. C'est par là, c'est ce que je me dis. Oh, les enfoirés, ils plantent bien le truc, hein. Bâtard. Bon. Bon. Montons. Enfin, montons. Je perds mes repères avec ce genre d'endroit. Ah. Oh, mais c'est qu'il y a un petit truc. Non, c'est pas par là. Ah, putain, les mamans, elles sont où, les mamans tortues? Elles sont retournées à la pialage. En fait, je vais les affronter après. Enfin, si j'affronte pas les mêmes ennemis pendant tout le chapitre, hein. Oh, oh, oh. Oh non, je ne ferai pas ça. Oh putain. Oh putain, c'est l'un des RPG les moins variés auxquels j'ai jamais joué. Un boubou. Il baisse la tête. Il y a le micro. Il baisse le micro. Ouais. Bon. T'es bien gentil. Si tu pouvais me dire quelque chose que c'est que ce bordel. Oh, il est trop bien. Je crois qu'elle va pas bien, la tortue. Ah là, il faudra lui faire un diagnostic médical, si tu veux mon avis. Ni Ni Pinou. Oui, vous avez reconnu Pinou. Je suis en train de chier dans mon froc. La phrase la plus élégante que j'ai jamais dite en vidéo. Encore mieux que je me branle les couilles et... Va chier sur ta mère. Je l'ai déjà dit celle-là? Ah bah je viens de la dire. J'adore leur danse. Bon, celle de Mohu me manque. Oh putain, ce con me manque. Je m'en foutais totalement de ce con à l'époque, mais alors là il me manque. J'ai de la Béminem. Non, c'est Emisha. De la Béminem. What the fuck? Wouh! Oh non! Oh les bâtards! Les bâtards! Mais je dois affronter toujours 4 ennemis ou quoi là? C'est même pas varié! Ça commence toujours de la même façon, merde!
Vas-y, je te pète les burnes à toi. Et toi, je te boule. Ouais, c'est vrai qu'il faut son chakra. Avocaste blabla. Si quelqu'un pouvait me dire en fait ce que c'est ce truc qu'il invoque là. C'est une poire belle Hélène ou quoi là? Oui, je change l'interprétation. Oh, une bombe nucléaire. Quoi? Et hop, une tortue en moi. Que ça, bah, vu qu'on a augmenté en niveau, il nous faudra plus de temps avant d'être en manque niveau défense et tout. Enfin niveau munitions, on va dire, et tout le tralala. Ah non mais la tronche que font les ennemis dans le jeu, c'est pas croyable. J'adore les doubles aussi. Là, c'est... ce que j'adore, c'est lui quand il attaque. Poum. Poum. Je suis un squelette. Non, c'est pas ça. Alors, franchement, on dirait trop ça. Hein. Eminem, c'est un M. Waouh, ça se voit, là, c'est philosophique. On dirait un Lego mal foutu. Ah, mon dieu, j'ai peur. Mickey Mouse. Oh, le pire, c'est le père. Oh ouais, pounce, 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 pounce avec la tête. Et l'épée qui est super droite. Là, j'adore. Here we go. Here we go, go, go. Ouais, bon. Oh putain, j'en ai marre des coups de rame. Tu vois, les coups de pagaie, c'est mal. Wouh! Je vais finir où? Non, non, pas à 3 km, s'il te plaît. Je te bute! Si c'est le cas. Non, mais cet endroit est labyrinthique! Machin de merde, là. Qui porte un nom de merde. Pas cet endroit de merde, franchement. Hein? Il est si important que ça, le mec qu'on doit aller voir, papa? Ah, parce qu'on peut se barrer, c'est... Parce que j'en ai marre de me faire agresser par des tortues et des machins qui volent toutes les 5 minutes, tu vois? C'est chiant! Enfin, on m'attaque moi, parce que moi, je suis un peu l'ignoré, hein. On attaque tous mes coéquipiers, mais pas moi. Alors, Power Slash, Aqua Slash, Fire Slash. Disais, les noms de merde, là, ils sont pas foulés. Mais non, je critique pas ce jeu, je dis juste que ta grand-mère en string. Et l'autre qui refait son show pour aller revoir Patrick Sébastien, mais merde, quoi. Salut! Oh putain, je me marre trop là. En ce moment, qu'est-ce que je me marre? Parce qu'entre les trucs avec Gilbert Montagné sur le forum, hein? Et là maintenant, ça. Et après, on se retrouvera pour les deux dernières. Enfin, les deux dernières du moment sur vidéo sur Batman. Puis après, je vous commande James Bond. Et ensuite, je vous commencerai Fear. Et voilà, et tout. Plus tard, on reprendra The Darkness. On fera plein d'autres solus. Cette année 2015 va être riche, hein. De ce côté-là. Il y a Quetzal, hein, qui a augmenté de niveau pour le moment. Ok. Je suis peut-être sur le bon chemin. C'est bon signe, en tout cas. Ta mère. Ah mais ça t'amuse, hein, le jeu, là. À me refaire taper. Oh mais l'enfoiré.
Ouais, je m'en fous, je rush jusqu'au dernier trou. Enfin de nouveaux ennemis, merde! Je commençais à me demander. Oh, quatre types d'ennemis! C'est incroyable. C'est plus que d'habitude, d'habitude il y en a que trois. dans la première zone. Ouais, même dans la première zone, il y en a. Je crois que. Ah non, non, il y en avait quatre dans la première, dans la première forêt. Bon, alors, que... ah, bonjour monsieur, qui êtes-vous? Fetzer! Ok, bonjour Fetzer. Oh, ça suppose. Tentacule, ok. Et ça, c'est maman! Ah, je vais t'envoyer une boire, belle Hélène! Toi, je vais me faire. Concentre qui? Faudra quand même que je les soigne leur PV dans. Après le, ce combat. Ah bah c'est bien! Au moins on finit, on va. On... C'est le temps à la fin de la vidéo de mettre de nouveaux ennemis. Hein. Bon là je crois que là c'est les derniers ennemis. Mais par contre c'est incroyable. 5 ennemis quand même! C'est la plus grosse zone. Et encore, j'ai peut-être encore rien vu, mais. Il y en a encore deux types d'ennemis. Je suis quand même impressionné. Je mourrais pas déçu. Hein. Fireball! Ah, il y a bébé qui va rejoindre maman. Les poires bélélènes! Ah, il manque juste que Toc Toc là et la famille aurait été contente. Hein. Déjà le titre en tête de la vidéo. Oh putain, il me fait une animation super mal faite. Pour faire perdre des points de vie à tout le monde. Oh bâtard. Toi tu vas crever. Qu'est-ce qu'elle fait la maman là avec sa langue qui fait peur là? Wesh bâtard, je t'ai niqué. Mais non, pas fui de vous deux. Là, je fais un coup d'attaque normale. Hein. Non, toi aussi. Hein. On est des fous. C'est à toi, par contre, tu peux plus t'attaquer. Ah ouais, il y a des tentacules. Mais en fait, c'est la mère qui contrôle les tentacules. Ah, je pensais qu'elle était morte. Là, elle est morte. Elle est résistante, maman. Hein. Encore heureux qu'on la croise pas tout le temps. Hein. Eh bah putain. Ah, Headshot, voilà. Ah, Headshot a augmenté de niveau. C'est marrant. Mais il y a des films qui ont limite un scénario plus logique que d'autres. Alors que normalement, ça devrait pas être le cas. Regarde, Sharknado ou des trucs du genre. Mine de rien, le scénario est plus logique que la plupart des blockbusters américains. Ou que Skyfall. Vachement plus logique que Skyfall. Ça fait peur, hein. Halala. Mais je suis en train de soigner tout le monde. Je sais, ça prend 15 ans vu que ça... Ramouille un peu, enfin, ramouille. Ah non, c'est 30 FPS. Il a un petit coup de lent. Ben... Il y a Bobo qui s'est endormi. Oh, qu'il est mignon! On a envie de lui faire un bisou! Un bisou! Oh, il a bougé! Ouais! Allez, un dernier coup. Peur la route, Headshot. Et on repartira de plus belle. Putain, c'est coquin, point de sauvegarde, merde.
On ne prend pas le truc là. On passe par là. Et on prend l'ascenseur magique. Wouhou! Je te jure, il me ramène au point de départ, je le bute. J'en ai marre. Non, je continue. Non, je le sens bien le toboggan qui va me remettre au point de départ. Non, c'est bon, hein. C'est bon, vous m'avez fait le coup 5 fois. 2 fois, ça, non, ça suffit. Alors. Hammer Smash. C'est un frère marteau en fait, notre père. Qui est aux cieux. Non, c'est n'importe quoi. Ah, toc toc, tu nous avais manqué, toi. Qu'est-ce qui me fait toc toc? Il est ma boule! Alors. Comme l'invasion des tortues, merde, hein. C'est incroyable. Eh, j'ai mis, il a pas du tout attaqué ce que je lui avais demandé d'attaquer. Mais non, ça. Mais non. Ah, tu veux que je te foute une pêche aussi? Non, mais tu te crois chez où, là? Sharknaboo! Ta 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 Polololololololol mais elle a gagné un niveau. Oui. Je te vois toi. Oh non, pas un autre combat. Oh c'est bon, ils sont que 3. Ben, voilà, je commence à en avoir le cul des tortues. Bon, moi je serai ensuite de plus revenir dans ce coin vu que je sais que c'est leur territoire. Hein? Bon, moi ça me change des flancs parce que les flancs, on avait pousse comme un art, hein. Ah oui, les flancs là, j'en ai jusque là. Bon, je me demande quand même quel boss je vais affronter dans le coin. Je sens que ce sera encore un boss putain de chiant parce que généralement les boss sont chiants là dans celui-là. Ouais, comme dans beaucoup de RPG. Les RPG ont généralement des boss chiants. J'ai dû recommencer quelques fois avant de réussir. Alors que pourtant tu t'amélioreras à fond pour être sûr de pas être en retard, question niveau. Ah mais ça suffit jamais hein. Dans un RPG. Boum. T'es fou ce qu'on avance pas vite niveau. Question niveau. On est quand même à la 10ème vidéo, on est à peine niveau 8. Pour la plupart. Nardim. Par là. Bon, j'espère pouvoir bientôt sauvegarder. Il va y avoir un combat. Et... Oh non. Je fuis. Je fuis quand même. Voilà, salut. Hein. Y a pas question qu'il y ait Claude qui fuit. Hein. J'en ai ma claque. Allez mon méo. Oh putain. Bon. On est où là? Non, pas ça. J'ai peur quand même.
Ah non, le chemin a l'air de continuer. Bon, on va s'arrêter là. On a traversé la forêt, maintenant on va traverser le monde. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit prochainement pour d'autres aventures. Et en attendant... Yeah, bye 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 bye. Oui, normalement ça sauvegarde automatiquement, donc je devrais reprendre là. T'as intérêt.